Dans une récente interview accordée à France 24, l'ancien patron de la commission électorale en République démocratique du Congo, Corneille Nangaa, est revenu sur l'accord secret qui liait Félix Tshisekedi Tshilombo à Joseph Kabila, un accord secret qui lui a permis de briguer la magistrature suprême en République démocratique du Congo, refusant par la même occasion d'affirmer que le véritable vainqueur de cette élection n'était autre que le candidat Martin Fayulu. L'ancien patron de la commission électorale devenu opposant politique au régime du président Félix Tshisekedi s'est livré à un exercice plutôt controversé sur le fond et la forme. Parfois, il dit défendre la démocratie et d'autre part, il se plaint d'avoir été spolié des mines d'exploitation. Monsieur Perelman, ce n'est pas à moi de vous apprendre que dans la vie des sociétés, les sociétés vivent des accords. Cet accord n'est pas un accord secret. Cet accord est un accord public, il sera rendu public dans les jours qui viennent. Mais comme vous le dites vous-même, on est en 2023. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été rendu public au moment où il a été signé, début 2019? Quel était le problème? Il devrait être rendu public aujourd'hui parce que le premier bénéficiaire en nie l'existence, ce qui est un mensonge. C'est ça plutôt le problème. Ses soutiens affirment que vous agissez ainsi aujourd'hui parce que vous, déjà, vous avez pris votre envol politique, si je peux dire, et d'autres affirment qu'il y a une dispute minière, que vous avez essayé d'obtenir des faveurs du pouvoir et qu'il n'y a pas répondu favorablement et que c'est pour ça que vous vous vengez. Quelle est votre réponse à ces accusations contre vous? Les questions privées ne me concernent pas lorsque je prends mes positions politiques. Il est un fait que je suis en contradiction politique avec le régime de Tshisekedi. Et entre-temps, insérer la question minière ou les questions privées, ça n'a pas d'importance. Mais ce qui est sûr, une mine m'a été expropriée par M. Tshisekedi et la mine est aujourd'hui exploitée par sa famille biologique. Là n'est pas le problème. Ce qui nous concerne, c'est le Congo aujourd'hui. Où va le Congo? Le Congo est dans une situation qui est telle que nous risquons de le perdre parce que nous avons à la tête de l'État un pyromane, je dirais un président qui ne sait pas ce qu'il doit faire. Depuis son avènement au pouvoir, il n'a fait que violer la Constitution. Il a hérité d'un pays entier et aujourd'hui le pays est divisé. Voici un homme qui a été l'un des fidèles de l'ancien président Joseph Kabila, qui dit se battre pour la République démocratique du Congo, son pays, qui révèle au grand jour qu'il avait des mines d'exploitation, des mines d'or, d'uranium et de cobalt, pour lui seul. Et quand on sait le quotidien que vit la population, ces déclarations sont scandaleuses. À la limite, une procédure judiciaire devrait être ouverte à son encontre afin de déterminer comment il a pu se procurer des mines d'exploitation alors que le trésor public en RDC est quasi vide. Il a explicitement accusé le président Félix Tshisekedi Tshilombo de l'avoir spolié au profit de sa propre famille. Si l'information se confirmait, ce passage de Corneille Nangaa sur France 24 devrait mettre un terme à la pagaille, au pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo par une élite corrompue et qui n'a de vision que la taille de leur ventre. Corneille Nangaa, opposant politique ou traître à la nation. Merci de nous le faire savoir dans l'espace commentaire. Merci à toutes les personnes qui suivent et qui partagent nos vidéos. Et merci de vous abonner. Au revoir. Le tâtonnement avec lequel il gère la situation sécuritaire du pays nous montre qu'aujourd'hui, M. Tshisekedi, c'est plutôt un agent de la balkanisation du Congo. Et nous ne devons pas le laisser faire. Nous devons les stopper. C'est cela notre combat. Cela n'est pas le problème.
Là n'est pas le problème. Le pire, c'est que M. Tshisekedi aujourd'hui est un acteur de division des citoyens. La situation au Kivu aujourd'hui, la situation à l'Est en général, c'est entre autres par le fait, c'est le fait qu'on a divisé le peuple. Et aujourd'hui, même tout ce qui est en termes techniques ne permettra pas les élections en 2023. Pour conclure, c'est dire, aller aux élections le 20 décembre 2023, ce serait comparable à un téméraire commandant qui se décide de poser l'aéronef sur une piste parsemée de gros bétail. C'est très dangereux, nous ne l'accepterons pas.